Salut salut, c'est Kady Mandy et nous voilà pour un nouveau épisode de Lucius. Je sais que je vous avais promis beaucoup d'épisodes, donc dorénavant j'ai essayé d'en faire pas mal en même temps qu'Assassin's Creed presque. Donc nous voilà, dans les prochains jours il y en aura aussi un, je vais essayer d'en faire parce que je serai pas là tout le week-end, mais je vous promets rien. Donc notre prochaine cible ça va être Ivor, le concierge alcool. Donc c'est parti, je pense qu'il se trouve en bas, c'est fort probable. On n'a pas de lampe torche, on n'a pas besoin. Et oui, il se trouve. C'est un escalier, comme d'hab. Il y a notre chieuse de mer. There you are. Did you sleep well? Oui, j'ai bien dormi, Captain. Je m'en fous. Voilà. Donc, on va voir où il est. Ivor, le concierge. Ensuite, donc, il est où? Il est dans les WC juste à gauche, là. Moi, avec une carte, je me repère pas trop mal. Ça va bien. Hop, c'est parti. On va voir comment on va devoir le tuer. De toute façon, on va devoir sûrement utiliser la télékinésie. Et qu'on vient de la prendre, c'est pas pour rien. Oh putain, grosse traînée de sang, là. Je pense que il va crever dans une situation vachement gore. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mission? Il est toujours sous, il ne remarque rien si je change ses plans. Ses plans. Ah, je pense qu'il y a ses plans là dans le bureau. Ah bah ouais, il y a son bloc-notes. Il y a un stylo à côté, je pense qu'il faut prendre pour écrire. Logiquement. Voilà, réparer le piano. Donc il me faudra quelque chose pour le trafiquer le piano, je pense. C'est pour ça qu'il y a les clés juste devant moi. Ah bah voilà, c'était celle-là, en plus. J'ai volé une clé, je devrais casser quelque chose avec ça. Ah oui, piano. Juste fermer la porte pour pas qu'il me suive. Voilà. On va trafiquer le piano avec la clé. Voilà. On verra. C'est bon, pour l'instant il n'y a personne. Ah, il y a quelqu'un. Qui est-ce? Personne, c'est quoi? Y a personne, non? Ah non, y a personne. C'est bon, j'ai trafiqué. Je sais pas pourquoi c'était écrit les yeux alors qu'il y avait personne. Aucune idée, bon bref. Voilà, il faut que je fasse venir ici maintenant. De toute façon, il viendra tout seul vu que j'ai inscrit ça dans son carnet. On va juste l'attendre. Il va venir tôt ou tard, hein, mon petit Ivor. Putain, on a failli se faire choper par la nanon. Bah, il est là. On a qu'à attendre qu'il mette par le piano. On a déjà enclenché la télékinésie. Je pense qu'on aura besoin. Ah oui. Ou pas, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ajouté. On verra bien, peut-être qu'il faudra juste activer un piège pour qu'il soit écrasé. Par contre, il y a la mort dans les alentours, j'aime pas trop, parce qu'il va sûrement voir ce que je vais faire, si je fais quelque chose de... I must speak to your father about that hand. Ah, ben voilà, quelque chose qui s'est mis à jour. Je pourrais peut-être utiliser mes nouvelles compétences. Ben, c'est ça que je dis en plus. Have you cleaned up your room yet? I have told you a thousand times. Par contre, il y a un moment qui me regarde. Je pourrais utiliser à l'aide d'eau. Ah bah voilà. Je sais pas comment il va crever. Ah, écrasé par un camion, écrasé par un piano, je pense. Oh putain de merde. Oh, ça c'est hard ça. Il se fait écraser la tête. Puis il voit sa mort arriver. Oh, dégueulasse. Pourquoi le jeu est la terre? Tu sais quoi. Il est encore devenu encore plus puissant. Le détective. I hate to tell you this, Mr. Wagner, but it seems your handyman is drunk as a skunk. He was an accident waiting to happen. I was going to fire him after the other incidents, but I just didn't have the heart. It's hard enough to keep the staff here with recent events. You can't blame yourself. This might be the worst case of professional neglect I've ever come across. While this might explain the gas leak,
It still doesn't explain the death in the walk-in cooler. The autopsy on the mate was inconclusive, but we're still working on the theory she had a poor heart or circulation problems and fainted. D'accord. Donc pour l'instant c'est bon, il se doute de rien. C'est nickel. Bout pointu. Voilà. Donc là je pense qu'on va gagner. On va faire un nouveau meurtre. Je veux dire qu'on va gagner nos pouvoirs, je pense pas du tout encore. Donc un nouveau meurtre. C'est où le nouveau? C'est le nouveau en bas. Il y a tout qui se passe en bas. Jamais rien en haut. C'est parti. On va voir qu'est-ce qu'on pourra. Qui ça sera notre prochaine cible plutôt. Qui on pourra tuer, donc qui sera notre prochaine cible. Parce que les cibles sont direct désignées en avance. Alors c'est parti. Alors on va voir si c'est par là. Ah, c'est juste à droite. Ok. La porte elle est ouverte. Ah ouais, maintenant on peut y aller. Ok. On va fermer la porte, si jamais personne s'intéresse à ce qu'on fait. Voilà. Alors, notre prochaine cible, ça sera ce cher boucher. Ah, il y a du sang. Ah ouais, il y a du sang autour de la lampe. Est-ce qu'il faudra péter la lampe? Je pense que oui. Pouvoir. Et comme ça on va se faire repérer. Comment on peut pas se faire repérer? On se cache derrière le rideau. Ah là, il se tourne pour ranger. Ah, il se tourne pour ranger la viande. Et c'est là, à ce moment là qu'il faut que je profite, je pense. Je vais mettre dans ce coin là. Et je vais attendre qu'il mette la viande dans le congélo pour la péter tout simplement. Il travaille la viande feu ici, il faut que je trouve un moyen d'embêter. Ouais, ça peut être vraiment. Dès qu'il ouvre le congélo, j'attaque. Voilà, nickel. C'est bon. J'ai bousillé la lampe, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut changer les lampes tout à l'heure. Ah, mais c'est la lampe que j'ai chopée C'est la lampe que j'ai chopée au tout début, là. Elle est là. Ah bah j'ai pas ramassé pour rien finalement, ça m'empêche de faire ça. Voilà, maintenant il faut faire quoi? Il monte, il est monté sur la scie, c'est ma chance. Ah ouais, il y a une scie là. Ah ouais, là-bas tout au fond, le bout. Faut que j'enclenche. Comment? Alors, télékinésie. Ah bah c'est là. C'est parti, on va enclencher la scie. Et on va le transformer en steak haché. Lucius le magicien. It's the magic. Oh putain de merde, comment il va finir? Oh là là, la tête coupée en deux, non? Oh, c'est hard. Oh, oh le pauvre, là il a dû souffrir, hein, je peux te dire. Oh, il y a un bouclier tombé. Aïe. C'est pas beau à voir tout ça. Je pense qu'il y aura nouveau une cinématique là. This situation is ridiculous, Mr. Wagner, and I'm holding off the bureau from launching an inquiry. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these as more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. It wasn't a pretty sight. Heads sawn in half and blood everywhere. These freak accidents were keeping me up at night. Four deaths in 4 months, all apparent accidents. But I had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing. It was not going to end here. I was right about that. Another month went by when we got the call to go back to the house. But this time it was different. This time it was murder.
Donc je pense que le prochain meurtre, on va devoir vraiment tuer quelqu'un. Pour de vrai. D'accord. Mais ça sera pour le prochain pour le prochain épisode. Je commence à parler anglais et français à la prochaine. Non, ça sera pour le prochain épisode. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la suite de Lucius. Et une bonne journée et ciao bonne.